Alors avant toute chose, bonjour Raymond Duic. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors je le rappelle, vous êtes donc président de la société de la brasserie Duic, donc qui produit la bière Jeanlin, et vous venez de remporter le prix d'excellence au concours général agricole. C'était le 9 décembre dernier au ministère de la Culture. En deux mots, il récompense quoi ce prix d'excellence? Il récompense la qualité, la régularité, parce que dans la catégorie bière du concours général agricole, c'est une catégorie qui existe depuis une dizaine d'années, et on a eu tous les ans des médailles, bronze, argent, or, et en particulier deux médailles d'or en 2012. Ce qui fait que cette année, on a eu la chance et le plaisir de recevoir des mains du ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, ce prix d'excellence lundi dernier au ministère de l'Agriculture. Alors, c'est une fierté pour l'entreprise, pour les salariés. Enfin, je veux dire, c'est une récompense. Ça récompense la qualité de notre travail. Et il n'y avait qu'un prix d'excellence pour les catégories bières sur toute la France. Pour la bière, oui, il n'y avait qu'un prix d'excellence. Il y avait une trentaine d'entreprises récompensées dans différentes catégories de produits. Alors la bière Jeanlin, donc je le disais, est bien connue des amateurs dans la région Nord-Pas-de-Calais. Bière historique puisque c'est une entreprise qui vient de fêter ses 90 ans. Oui, on a fêté l'année dernière les 90 ans. Donc moi, je suis le représentant de la quatrième génération, ce qui veut dire que mon arrière-grand-père était déjà brasseur. Alors l'histoire à Jeanlin démarre en 1922 avec mon grand-père qui s'installe dans le village de Jeanlin. Et donc voilà, donc quatrième génération et je suis en train de transmettre l'entreprise à une cinquième génération, à mon fils Mathieu, qui vient d'arriver dans l'entreprise au mois de septembre. Alors on va en parler dans un instant déjà, pour présenter un peu, alors peut-être pas la recette de la bière Jeanlin, mais qu'est-ce qui caractérise vos produits, ces bières? En fait, l'idée c'est la bière de garde, c'est une tradition régionale, c'est le type de bière que faisaient toutes les brasseries du département du Nord. Il y a un siècle, il y avait 2000 brasseries dans le département. Aujourd'hui, des brasseries historiques comme les nôtres, il en reste 5. Pour vous dire la concentration et la disparition des brasseries. Donc mon grand-père a créé une recette de bière de garde ambrée, qui est devenue la Jeanlin ambrée en 1968. Et c'est ce qui nous a permis de rester sur le marché. On n'aurait pas su résister à la concurrence des grands brasseurs si on avait fait des produits identiques à ces grands brasseurs. Oui, la concurrence des grands brasseurs pour une petite, entre guillemets, brasserie familiale comme la vôtre est difficile encore à gérer. Vous arrivez quand même à vous démarquer? Il faut se démarquer parce que si on fait des produits identiques à ces grands brasseurs, on est mort d'avance. Il faut faire des choses différentes. Et on a eu la chance d'avoir cette recette. Il y a eu la chance aussi que mon grand-père et mon père, en 1949-1950, ont eu l'idée de mettre cette bière dans une bouteille champenoise avec un bouchon liège et un muselet pour tenir le bouchon, qui ont fait à terme la différence par rapport aux autres produits et ce qui nous a permis de connaître le succès dans les années 70-80. Le succès, le prix d'excellence aussi dont on vient de parler, ça récompense une certaine fierté pour vous d'être un symbole du Nord aussi, parce que Jeanlin, c'est le nom d'un village, c'est le nom aujourd'hui d'une bière qui est connue peut-être partout en France. Oui, alors on distribue à travers toute la France. Oui, je pense qu'on est en partie à l'origine du renouveau de la diversité de la brasserie française, parce qu'il y a eu pendant les années 70-80 une très forte concentration. Il reste en France, je veux dire, une quarantaine de brasseries. À la fin de cette année, il y aura en France 550 brasseries. Ce sont des microbrasseries qui se recréent à travers tout le territoire, qui s'attachent à une culture locale, à un produit local pour reconstruire cette idée de la bière. Alors qu'il y avait une standardisation dans les années 80, aujourd'hui, on revient vers la spécialisation et le goût de la bière, la tradition, le terroir. Et avec des nouveautés comme la or ou d'autres encore pour réinventer aussi votre métier de brasseur? Chez nous, oui, bien évidemment, la Jeanlin ambrée reste encore le produit phare. Mais depuis une vingtaine d'années, on a cherché à diversifier la gamme. Donc il y a la Jeanlin blonde, qui est une bière blonde, qui est la petite sœur de l'ambrée. Et puis des produits plus haut de gamme, comme la Jeanlin or, qui a vu le jour il y a maintenant 4 ans. On a mis sur le marché cette année une bière brune qui s'appelle Ténébreuse. On a bien évidemment la bière de Noël, comme tous les ans. Et puis on a pu, par le passé, faire d'autres produits qui ont connu plus ou moins de succès. Voilà. On doit constamment innover, constamment mettre sur le marché des nouveaux produits pour dynamiser le marché et nos clients. Et l'entreprise, oui. Alors l'entreprise aussi donc, continuera, vous succédera, vous survivra avec votre fils, Mathieu, cinquième génération. Oui. C'était essentiel, nécessaire que ça reste aux mains de la famille? C'est ce que je souhaitais. Après, je ne l'ai pas obligé, c'est lui qui aussi l'a voulu. Mais bon, quand on représente une quatrième génération, qu'on ait une entreprise qui continue à se développer, qui fonctionne bien, c'était souhaitable que ça se fasse. Si ça ne s'était pas fait, malheureusement, leur entreprise aurait connu un autre moment, un autre sort. Là, j'espère qu'elle est partie pour une nouvelle génération, c'est-à-dire
trentaine, quarantaine d'années d'indépendance encore, avec un Duic à la tête de la brasserie familiale. Puis on verra bien. Et son but, c'est de continuer à développer l'entreprise encore et toujours, ou au bon de la maintenir et de réussir à survivre face aux grands groupes, comme on le disait? C'est pas de la survie. Voilà, c'est vrai que c'est difficile par rapport à la concurrence. Non, il faut continuer à la développer. Donc, on ne veut pas non plus exploser. On est une petite brasserie dans un monde de très, très grands brasseurs. Donc, on ne cherche pas non plus à concurrencer ces grands brasseurs. Donc, on va continuer à la développer. Et je pense que et nous pensons, avec Mathieu, que le développement passera par l'export. Aujourd'hui, on est très faible en exportation. On a à bâtir l'image de la bière française à l'étranger. Et le développement et, je vais dire, la diversification passera par les marchés export. Eh bien, merci. On vous souhaite une bonne continuation, en tout cas, merci. Pour la brasserie Duic et la bière Jeanlin. Merci, Raymond Duic, d'avoir été avec nous. Merci bien.